sinner, you sinner. We'll be right back.
Allez, bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Twitch, le canal La Exhype. C'est un nouvel Open de cette série, la Open GT Series proposée par La Exhype. Vous avez d'entendre M. Hilario aux commentaires et il a besoin de peu de vacances, vous le savez, parti une île. Il prend un petit peu de vacances et je vais le remplacer. Et ça sera comme ça un lundi sur deux. Sur deux, vous. À la Exhype derrière son micro. C'est le prochain Open des séries. Ce soir, on va être sur le Number Green. Exactement. La Nordschleife, 25 km des 100 virages. Un écoutier GT3. Donc, on plusieurs constructeurs de GT3, pas une libre en, au niveau de choix de la voiture. On va partir pour 20 minutes qualification et on après 60 de course sur cette Nordschleife. J'espère que va bien effectivement retour. Pour le son, si pas bien de votre côté, un sur deux, d'accord. Ok, je vais régler ça. Allo, allo, est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être mieux? Je pense que ça peut être un peu mieux. Je reviens, j'essaie de faire une toute petite modif. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce que vous pensez que ça va aller? Ça a l'air mieux. On va essayer. Ça devrait être bon comme tu avais modifié. Ok, je vais essayer de faire comme ça. En qualification, normalement, devrait partir. Ça va, devrait partir dans une petite seconde. Allez, faites-moi au retour toujours sur le son. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous allez bien également? Alors, je dois avoir peut-être un bug d'affichage. Aucune voiture a des roues sur... Bah ouais, c'est bizarre. Je vois toutes les voitures. Il n'y a pas de roues. C'est très particulier. Ok. Alors là, là ça m'épate. C'est très étonnant. Là, je ne comprends pas pourquoi. Et la qualif ne part toujours pas d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bug là-dessus? Très 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 étonnant. On va changer de caméra. Ah,
Eh ouais, merci Michael Valkyrie. Est-ce que c'est normal que tout le monde est dans les stands, les gars? Personne roule là sur la piste. Alors là, ça m'épate. J'espère qu'il n'y a pas eu un problème de serveur. T'as un bug, la qualif a commencé. Alors là, c'est très bizarre. Ok, j'ai un gros bug là. Énorme bug, je vais sortir du serveur et je vais revenir. On se retrouve juste après, désolé.
Allez, on est revenu normalement, il n'y a pas de problème, j'ai dû redémarrer le jeu. C'est le jeu à mon avis de l'application qui avait complètement planté. Donc je l'ai redémarré deux fois et là ça y est, ça marche enfin, en espérant que les problèmes vont s'arrêter. Donc on est parti hein, pour ces qualifications qui ont déjà commencé depuis plusieurs minutes. Ils se sont élancés pour 20 minutes de qualification. Ouais, alors, apparemment la musique était un petit peu forte. Ok, bah j'essaierai de baisser le son au niveau de la musique pour la prochaine fois. Désolé, hein, petit réglage de son, moi je le serai. Merci de votre retour, c'est le plus important. En tout cas, la qualif est partie. Il y a seulement quelques pilotes hein, qui se sont qualifiés. Il y a Jérôme Hakuna qui a effectué un premier chrono déjà. Un excellent chrono en 8 minutes 17 705. Très rapide comme pilote, là, monsieur Jérôme Hakuna de l'URT. Nous avons un 8 minutes 18 145 de la part de Nicolas Kizelian. 8 minutes 18 145 exactement, c'est très très rapide aussi. Il y a Yannick Ducrot qui vient de prendre le lead à l'instant. Ouh là là, le chrono 8 minutes 14 600 avec sa BMW. Ça remonte très très vite, ça remonte très fort. Donc on a dit deuxième position Jérôme Hakuna, troisième position Nicolas Kizilian, Maxime Bulto en 8 minutes 19 pour Sébastien Gollet de la Suisse RC qui attend pour l'instant dans les stands. On a Biela de la DZ en 8 minutes 19 780. On a David Bertolom en 8 minutes 20. Et Valentin Legros qui affiche la 8ème position de cette séance qualificative. Les places sont serrées hein, devant, les places coûtent très cher devant. On continue avec la 9ème position. Quentin Dragon en 8 minutes 22, c'est quand même très serré. 10ème position pour le pilote de la PHX, David Busken avec sa féfé, la numéro 10, le pilote belge. On arrive en 11ème position avec Aurélien qui attend pour l'instant dans les stands. Et Anthony Lioda sur la piste, le pilote de la Suisse RC arrive à faire 8 minutes 23 662. On continue avec la 13ème position, Ludo Hainaut et Damien Philo. 14ème position, monsieur Damien Philo. Ah, il a sorti l'Audi, monsieur Philo. Pas beaucoup d'Audi ce soir. Il y a Hugo Giampietro qui sera lui en revanche en Porsche. On a Thomas Cuvelier en 16ème position de cette séance qualificative. 8 minutes 28. Et on accroche les 8 minutes 32 pour Michael Van Leeuwen. Fred Lemong, lui, sera en 18ème position en 8 minutes 40. Hein, et il prend quasiment 8 secondes dans la vue vers la part de Michael Van Leeuwen. Et ça sera Fred Lemong en 18ème position. Il y a un pilote de la RVR, Ospi. Monsieur Ospi. Et qui se décale hein, un petit peu pour laisser passer les pilotes plus rapides. Ça communique avec les clignotants, c'est bien, c'est très important sur un Nordschleife, même sur tout le circuit. Laurent Rollet, que je salue au passage, qui va être le dernier pilote, à mon avis, avec un temps valide en 8 minutes 43,995. 21 pilotes qualifiés uniquement, c'est à peu près la moitié du plateau de ce soir. Nous avons 44 pilotes avec Derek Lapin qui est pour l'instant 44e position avec cette Honda NSX. Manu Lopez en 43, on va remonter avec Loïc Tenitri. Il y a Malik Penacci en 41e position. Anthony Kostinger qui affiche la 40e position. Je pense que Anthony, quand il va claquer un chrono, ça devrait remonter.
continue avec un autre pilote de la PHX, c'est Yves Zoma, la numéro 444, qui affiche pour l'instant la 39e position sur cette Nordschleife. Avec 2 minutes 45 secondes restantes hein, dans cette séance qualificative, le temps va passer très très vite. On monte avec Clément Martin de la RVR en Porsche. Et on arrive avec Pasquale Infantino qui est pour l'instant dans un tour toujours valide mais qui n'a pas fini. Johan Reis de la RVR en 36e position. On revient avec Aurélien Tillois en 35e position. Pas présenté aussi Kenneth Stévenier, la T4T, monsieur Ken, la 322, et avec une très jolie BMW. N'hésitez pas à me faire un retour sur le son si ça va bien, le micro, le son du jeu, si c'est pas trop fort, passez. Faites-le moi savoir si c'est bon ou pas. Je peux ajuster avant la course. On est encore en qualif, donc on a le temps de faire quelques réglages. Pareil pour les pilotes, hein, ils peuvent aller régler bien sûr leur auto pour la course qui va débuter dans quelques petites minutes. Et ça commence à rentrer au stand hein, déjà pour le pilote Maljean de l'URT. On va aller voir les pilotes. Yann est là qui, je vois, a pris la première position avec 8 minutes 11, 0,27 d'enregistré. 8 minutes 11. C'est un avion de chasse là qui est passé devant nous. La 777 avec, tenez-vous bien, la grosse Bertha, la bonne Bentley. Il doit être très efficace apparemment sur la Nordschleife. Il y a Ducrot qui sera lui en BMW. Maljean qui était en BMW qu'on a vu il y a 30 secondes. Anthony Kostinger, ben voilà, je vous l'avais dit. Il a signé le quatrième temps de cette qualification avec un 8 minutes 14 950. Donc quand même très peu d'écart hein, avec le leader, avec Yanella qui est lui en 8 minutes 11.027. Et il y a 4 pilotes en 8 minutes 14 avec Yann Ducrot, Maljean, Tony Kostinger, Jérôme Hakuna. Et on descend en 8 minutes 18. Toujours en piste d'ailleurs pour Nicolas Kizelian. 145. Et Yanela toujours aussi monstrueux, nous dit Alex sur le live. Et ouais, c'est vrai. Et il y a Loulou qui nous dit allez papa. Apparemment il est là pour encourager son père. Et Maxime Bulto qui est sur un tour valide et en pleine amélioration avec 2 secondes 300 d'amélioration et qui ne finira pas son tour. À mon avis il n'y a plus d'essence dans la voiture. Oh oui, et ouais, le moteur s'est éteint pour la 99, il n'y avait pas assez d'essence pour aller au bout, c'est dommage, il avait une avance. Et Biela qui arrive sur cette ligne droite. Et la numéro 52 qui va pouvoir peut-être faire une amélioration dans la dernière minute dans le temps d'attente maximum. Et ça va très vite sur la Nordschleife. Il a amélioré 2 secondes 300 d'amélioration.
et qui devrait remonter un petit peu au classement. Il est déjà à 10e position, il remonte 6e position quand même pour Biela DZ. Excellent chrono, 8 minutes 17 525, excellent. Et la qualification est bel et bien terminée. Et on va partir dans quelques instants pour justement la course de 60 minutes qui nous attend sur l'enfer vert, 25 km de piste très étroite avec beaucoup de virages, 170 virages sur la Nordschleife avec bien sûr la boucle du Nürb compris, 170 virages, ça fait beaucoup, 25 km. On fait le tour en plus de 8 minutes, vous l'avez vu en qualification, c'est quand même assez énorme comme circuit. D'ailleurs il y a une 24 heures organisée hein, je crois par Track Limit. On a vu aussi les 24 heures qui se sont déroulées là, le week-end dernier pour la LFM, qui était une course assez intéressante. Je l'ai regardé un petit peu, je sais pas si vous l'avez vu, c'était très sympa. Et je vais vous parler aussi d'une organisation que je fais partie. Alors je me permets, je pense qu'Ilario ne dira pas grand chose sur ça. Je vais faire un petit coup de pub pour moi, pour la Perfect Event. Nous organisons des Open tous les dimanches. Et je vous propose le dimanche 21 avril à 21h, également sur un Nordschleife, également GT3 libre, avec 60 minutes de course. Et il y aura un arrêt obligatoire refueling lors de cet Open le 21 avril. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord de la Perfect Event et d'aller vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes. Allez, les pilotes sont en pré-grille, plus qu'une minute avant le début de cette session. Et ça sera seulement le dernier secteur de chauffe pour bien chauffer les pneus et les freins. On va avoir très peu de temps pour chauffer tout ça. Ça va à peine chauffer, hein. Donc ils vont être très prudents, je pense, les pilotes. C'était dit au briefing. Et beaucoup de litres embarqués hein, je pense pour cette course 60 minutes, il faut bien aller dans les 115 litres, au moins 115 litres minimum, ça dépend des voitures. 20 seconds. Est un, il y a un arrêt obligatoire, juste un arrêt, pas de refueling, pas de pneus à changer. Ils peuvent le changer bien sûr, mais juste marquer l'arrêt devant son box et repartir aussitôt. Ça valide bien sûr l'arrêt obligatoire. Allez, plus qu'une seconde. Qui va partir en première position, qui a une énorme pression. Il a fait un excellent chrono hein. 1 minute 11 de chrono. Et on va retrouver avec Yannick Ducrot à ses côtés avec la BMW et la Bentley sur la gauche. Meilleure position d'ailleurs pour Yannick Ducrot, il sera à l'intérieur hein, au premier virage. Maljean qui sera lui en troisième position avec Anthony Kostinger de la Swiss-RC avec cette AMG, Mercedes AMG, la 234. Allez Anthony, on a l'habitude de le voir sur les Open de l'Exype qui fait d'excellents résultats. Le feu vert va faire son apparition dans quelques mètres. Green
Allez, c'est parti. C'est parti pour 60 minutes sur cette Nordschleife. Et la Mercedes de Anthony Gostinger qui prend déjà l'extérieur. Attention, touchette avec la BMW. C'était compliqué. On va les voir un petit peu derrière. Biela, ça se passe bien. David Bertolom, ça se passe bien. On va les voir vers la 13e position. Et Romuald Van Imen avec la BMW, la numéro 80. Pas de carambolage, les pilotes restent soigneux dans ces premiers virages. Et ça continue avec Derek Lapin en 23e position avec Setuda et D6. Pour cette course, dès qu'on aura les informations de la BOP, on pourra les mettre. On va voir Thomas Cuvelier qui était en bataille à l'arrière, et Yann Ferrari aussi. Ça va être Thomas Bourgeois exactement à la 267. Ouh, il y a eu un crash aux avant-postes. Merci de revoir justement. Je vais revenir 30 secondes en arrière. On va se mettre du côté de Nicolas qui se gagne. Ouais, ça a accroché un petit peu, petit contact entre les deux. Oh oui, c'est parti derrière. C'était la voiture très abîmée sur Maxime Buteau. Oh oui, violent contact entre les deux voitures. Et on voit une Ferrari qui était voilà, ça a repris le direct et plusieurs on entame la Nordschleife et plusieurs voitures se sont percutées. Ça va être très compliqué pour les pilotes hein, sur la piste. Et regardez comment négocier les virages, c'est compliqué à deux de fond déjà, c'est et touchette avec le BMW. Allez voir Seguri 992 et encore un carton. Il y a beaucoup de touchettes, hein, beaucoup de contacts sur la Nordschleife. C'était compliqué. Et on arrive avec Quentin Dragon, lui en 14e position. Il vient de doubler justement. Et qui vient de gagner une position. On va retourner voir Anthony Gostinger. Et lui en place de leader sur cette Nordschleife sur ce premier tour. Ça se passe bien, Yanis Ducrot. En seconde position, troisième et en pleine bataille. Troisième position pour Yanis. Malik Benacci essaye de réattaquer. Suite à la perte justement de sa position. Ça continue avec Valjean en 4ème position. Yelas en 5. Yannela en 8ème position. Et ça encourage hein, allez Yann pour la Valkyrie. On va aller voir Yann un petit peu. Yann est là, bah, il est là justement à l'écran hein. Il est avec nous la 777. Étonnant hein, comme choix de voiture. On l'a vu lors des qualifs, ça paye. Ça a l'air de payer quand même en course. 7ème position. 6ème position, pardon. Il essaie de rattraper Monsieur Biela qui est juste devant. En compagnie
poignée de Maljean. Ça va peut-être se faire doubler pour Biela DZ. Affiche la cinquième position qui se fait rattraper par une McLaren. Et attention à Yanela aussi. Ça continue avec Nicolas Kizilian. Et ça va doubler entre les deux BMW qui sont côte à côte. On va revoir cette petite action, justement, le dépassement. Intérieur, ça peut-être toucher un tout petit peu, mais c'est passé. Allez, on revient en direct. Compliqué, hein, ces virages très 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 compliqués. On va aller voir un petit peu en one board comment ça se passe. À Malcolm qui nous dit bonsoir, salut, salut Malcolm, bienvenue. Allez, on est en caméra embarquée avec Maljean de l'URT. De chercher une bataille à vous présenter en 13e position. Ça a l'air de se batailler avec Ludo. Et nous, on va aller le voir tout de suite, Ludo. Il est très proche hein, de Damien Philo. Damien Philo qui est en Audi. Et Ludo qui se retrouve du coup en Audi également. L'aspiration pour remonter en fin de ligne droite, il y a de grandes chances qu'il arrive à remonter sur la 123 pilotée par Damien Philo. Et ça dépasse devant pour la BMW et oui exactement de Sébastien Gollet qui est en pleine bataille avec Romuald Van Liemen. À cet endroit-là, c'est à celui qui a le plus gros cœur. Hein. Va falloir pas lâcher les gaz trop tôt, sinon on se fait doubler. Et c'était le cas hein, pour cette McLaren. Bravo à Sébastien Gollet pour son dépassement. Pilote de la Swiss RC qui récupère une position au top 10. Et ça repart pour un second tour. Seul tour, mais ouais, ça fait déjà 8 minutes qu'on a commencé. On a fait qu'un seul tour et la glisse de Sébastien Gollet. Attention, et Romuald Van Liemen qui n'en perd pas une miette, qui récupère tout de suite sa position et qui sera mieux placé. Voilà, dans le prochain virage qui sera à l'intérieur, qui va essayer de fermer la porte à Sébastien Gollet. Ça passe, c'est confirmé pour Romuald. La McLaren qui a dû lever le pied dans le virage. Et ils vont attaquer maintenant le S de Michael Schumacher. Il avait la réputation de le passer à fond avec sa Formule 1. Alors on va aller chercher les batailles à monsieur Yanela qui est en pleine bataille. Et ça remonte justement sur la McLaren.
sur un McLaren de Kittilian. Là, il y a là des Z aussi qui fait un peu bouchon devant. Attention, ça a failli taper entre la Bentley et la McLaren. C'est passé au chausse-pied. Et c'est parti sur cette Nordschleife. Et c'est parti pour 25 km. Sur Yanella, on va aller voir rapidement David Busquin qui est en bataille également. Il se fait rattraper d'ailleurs par Stanislas Boisson. On va finir la bataille avec Yanella. S'il arrive à passer justement cette McLaren et cette Ferrari qui est juste devant lui. Il s'attend de se présenter dans les rétro. Ce n'est pas chose facile. Nicolas Kizilian qui a l'air de bien se défendre. Voyez là derrière l'aileron de cette McLaren. Gaps se sont déjà créés hein, dans les premières positions. Anthony Kostinger qui a déjà 4 secondes de 174 d'avance sur Penacci. Avec Yann Dupraux, Yannis Dupraux en 3ème position à 2 secondes de 179. Et Valjean qui affichait 4ème position avec la numéro 54 avec 1 seconde 73 d'écart avec Yannis Dupraux. On va les retrouver. Justement, un petit peu les autres pilotes. On va voir un petit peu Anthony Kostinger tout seul. Vraiment seul au monde. Avec Malik Penacci juste derrière à 4 secondes. 4 secondes 6. Yannis Dupraux, le voici en bataille. Un petit peu pour Yanis. Avec un carrousel, ce fameux carrousel de Nordschleife. Belle petite brochette de pilotes là, 5 pilotes qui se suivent. Yannis Dupraux qui a fait une erreur et la BMW et la Bentley de Yanella qui est parti également à la faute. On va revoir ça tout de suite. On va se mettre avec Yanella en haut de bord pour voir quelle était l'erreur. Ça a dû se passer juste après. Oh, c'est parti, oui.
puis la BMW est déjà sur le côté et Yann est là qui a pas pu l'éviter malheureusement. Allez, c'est reparti en tout cas, plus de peur que de mal pour Yann est là. Toujours 7ème position pour Yann avec la Ferrari. David Bertolome. Ah non, c'est pas David qui est derrière, c'est un autre pilote. Les premières positions sont assez écartées, on va les voir vers la 13ème position, ça a l'air d'être un petit peu plus serré. Jean-Smith Kenneth en bataille avec l'Audi de Damien Philot. Ça passe pour la BMW. Oui, c'est parti à la faute. Ah là 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 là, ça a tapé la rambarde et se retrouve côte à côte pour entamer un tour. L'état de la voiture de la 973. Jean-Smith Kenneth est en perdition avec la carrosserie. Van Leeuwen qui est lui en 18ème position avec la McLaren, tout se passe bien, une voiture autour, il peut avoir des tours clairs. On va aller voir la 24ème position qui a l'air d'être un petit peu plus serrée. RVR et il y a Kenneth Stévenier en bataille qui va prendre l'intérieur d'ailleurs sur la BMW de Arnaud Pérez et c'est passé qui accroche le top 20 pour Kenneth Stévenier. Arnaud Pérez qui du coup va perdre peut-être une seconde position avec Ospina RVR qui a ses menaçants. Il pourrait peut-être remonter sur la BMW. Alors, on sait, la Porsche est assez gourmande au niveau des pneumatiques. Il risque d'avoir un petit peu de peine à tenir cette Porsche hein, dans la Porsche Life. Sur cette Porsche. Oh, ça tire là. J'ai d'adhérence un petit peu sur pour la Porsche. Et on a un stop and go de 30 secondes hein, pour le gros en 27ème position. Le gros de la PSR qui est comme d'un SG30 tout comme la 32ème position d'Aurélien Tillois. Et on a Stanislas Boisson dans les stands et Thomas Villevaudeur. Monsieur Villevaudeur
Forder en 34e position. Et on arrive en 35e position pour Aurélien Fontenas. Loïc Tenitri en 36e position. Yves Zoma en 37 de la PHX qui est dans les stands. Et on va retourner voir un petit peu Yann est là pour voir si on retrouve une bataille. Seul, hein, il retrouve pas de voiture pour l'instant. La prochaine voiture est à 3 secondes devant lui et ça devrait être Hugo Jean-Pietro qui est juste devant. Avec Sonodi, la numéro 47. Et on monte d'ailleurs sur un petit groupe de pilotes, c'est Jean Smith, Kenneth. Oh, accrochage, accrochage, attention, carton. Et à ne pas bouger. Ah là 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 là, c'est plus ça. Damien Philo, on va voir ce qui s'est passé. Allez, on revient 30 secondes en arrière. Bataille avec une BMW. Allez, touchette de la BMW derrière. Et ça se passe le retour en piste. C'est très compliqué dans ces endroits-là. Allez, on revient au direct. La bataille avec la BMW noire, justement celle de Ménou, non celle de Kenneth, Jean Smith Kenneth, ça va être une voiture très abîmée. Pietro qui arrive derrière de Hugo. Et petite erreur de Jean Smith Kenneth. On va revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé. De Jean Smith Kenneth et il relaisse passer la Porsche, bien vu. Sur
Ferrari, ça doit être David Busquin qui est là, qui est sur le switch entre les voitures. Et David Busquin qui prend l'inspiration, qui se décale pour essayer de doubler. Et ça va passer, ça passe. Kenneth qui est parti dans les stands, comme Damien Philo également, vont faire leur ravitaillement obligatoire, leur arrêt obligatoire. Il n'y a aucun ravitaillement obligatoire ni de changement de pneu, c'est seulement un arrêt obligatoire. On va voir un petit peu la sixième position qui sont très serrées avec David Berthelhomme. Et la Ferrari de l'ADZ, deux Ferrari ensemble. On va bientôt entamer la Nordschleife dans une centaine de mètres. Je t'en prie, Zulov. Erreur en sortie d'un virage, il a mangé l'herbe, il s'est retrouvé du coup piégé sur le côté. Et quand il arrivait dans un autre virage, et ben il avait une bonne visée sur sa gauche arrêtée contre la rambarde qui venait de justement de faire une erreur. Et Yann Elan n'a pas pu l'éviter et il a tapé également cette BMW. Ça s'écarte entre les deux Ferrari, celle de David Berthelhomme, de Bialadez. Il est top 5 hein, quand même pour Bialadez. Belle position. Et on retrouve Anthony Kostinger en première position avec 6 secondes d'avance. Avec sa Mercedes AMG 234. Et Malik Benacci en seconde position avec étonnamment cette Nissan NSX qui fait vraiment une bonne figure ce soir sur cette Nordschleife. Valjean en troisième position, la numéro 54, avec 2 secondes d'écart. Avec la seconde position, Nicolas Kisilian en quatrième position. Avec très peu d'écart hein, avec Valjean. Yanis Ducro. On va retrouver Yanis Ducro ici. Si le logiciel veut bien changer le pilote, non il ne veut pas. Ah, Yanis Ducro apparemment qui m'affiche qu'il est dans les stands. Bialadez en 5ème position, David Berthelhomme en 6ème position, on retrouve Anthony Lyoda de la Swiss RC en 7ème position, Sébastien Gollet de la Swiss RC en 8ème position, Romuald Van Diemen en 9ème position, Yann Ella qu'on a vu à l'instant, Yann Ella en 10ème position, Udo Hainaut en 11ème, Hugo Giampietro en 12ème position, 13ème position pour Thomas Cuvelier de la TKT, un pilote de la PHX en 14ème position, c'est Michael Van Leeuwen. David Busquin également qui fait partie de la PHX en 15ème position. Manu Lopez qui est du coup au pit. Abandon, on sert peut-être. Ospi en 15ème position. Je
Jérôme Hakuna en 16e position, pilote de l'URT. Arnaud Pérez en 17e position, pilote de la PHX, David Busquin en 18e, Jean Smith Kenneth en 19, Laurent Rollet qui arrive en 20e position pour Laurent, Quentin Dragon qui affiche la 21e, Damien Philo en 22e, Valentin Legros en 23e, Clément Martin. On n'arrive plus à voir Clément Martin, il a disparu. On arrive avec Thomas Bourgeois en 24e position, Pasquale Infantino en 25e position. On a Kenneth Stévenier en 26e, Johan Riez en 27e position, Derek Lapin en 28, Evan Lhuissier qui est abandon certainement pour Evan, Aurélien Tillois en 29e position. On arrive avec Aurélien Fontenas en 32e position, Loïc Tenitri de la LMR 31e, Fred Lemonge, en 32e position. On a Stanislas Boisson dans les stands. On a Yves Zoma dans les stands. Et on va retourner, bien sûr, sur la piste. Avec Valentin Legros qui a un stop and go de 30 secondes à effectuer. Il a 3 tours pour le faire. On a dépassé largement la mi-course. Hein. Il reste plus que 27 minutes. On va essayer de retrouver une bataille. Ouais, c'est assez proche vers la 16e position. Celle de Arco Pérez avec Ferrari juste derrière, c'est David Busquin de la PHX. Quelqu'un sait traduire l'anglais, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit dans le live, il écrit Rinoal Tioni, voilà, qui pourrait les écrire en anglais. Il y a David Busquin. Je pense que c'est Kenneth qui est sorti d'ailleurs de stand tout à l'heure avec une voiture maintenant toute neuve qui a réparé. On aura le Laurent Rollet un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça, Laurent Rollet en 19e position et qui laisse passer la BMW. Des 16 secondes aussi pour Bulto. En numéro 24, en 24e position, pardon, en numéro 99. Il a 16 secondes d'avance sur Kenneth Stévenier, qui a lui également un stop and go de 30 secondes effectué. Et le capot d'ailleurs un petit peu arraché à l'avant de sa BMW. Ça ne pardonne pas la Nordschleife. Ça ne pardonne pas. Les remparts sont très très près. Les murs aussi. On a allez,
2 mètres d'herbe et tout de suite on retrouve la rambarde par endroit. Il y a même pas, il y a 1 mètre hein, des fois même voire 50 cm. Et ça sort large un petit peu pour Stevenier. On va retourner voir un petit peu notre leader Anthony Kostinger qui vient de passer l'ouest de Michael Schumacher. Et Maljean en seconde position, le pilote de l'URT. Il y a 4 secondes 548 d'avance sur David Bertolome. Et pas très loin David Bertolome, il pourrait peut-être aller attraper la seconde position. Il est suivi par Biela DZ qui est lui en 4ème position également avec très peu d'écart hein, sur David Bertolome. Une seconde d'écart, 0.741. Les deux pilotes se voient d'ailleurs. On voit en 44, donc sa ligne de mire. Anthony Kostinger, qu'est-ce qui s'est passé? Il était premier là. Attends. J'ai l'impression d'avoir raté l'épisode. C'est certainement qu'il avait été passé par l'instant. Ça se pourrait bien. C'est que voilà, Anthony Kostinger a fait son ravitaillement, donc il a sorti en 8ème position. Et c'est Maljean qui prend virtuellement la place de leader. Bien sûr, il faudra qu'il marque l'arrêt dans son stand, Maljean. Tout comme David Bertolome en seconde position. Et Biela en 3ème position. On trouve Romain Van Diemen. 80 en 4ème position. Et pas trop de bataille à vous présenter. Ce serait bien que j'en trouve une. Mais là, très peu d'écart sur la celle de Lyoda en 12ème position. Anthony Lyoda de la Swiss RC. Qui a le meilleur tour en course hein. 8 minutes 16, the best light, 8 minutes 16 537. Alors, on va rester un petit peu avec lui d'ailleurs pour admirer un petit peu ce circuit de Nordschleife. Comme tracé, vraiment le connaître sur le bout des doigts.
bien négocié, hein, le carrousel. Ça remonte pour Anthony Konistinger, ça remonte sur Hugo Giampietro. Hugo qui est la numéro 22, la Porsche juste devant. Et Hugo n'a pas fait d'ailleurs son arrêt obligatoire. Donc, aucune pression là pour Anthony. Il a tout son temps pour doubler Hugo, sachant qu'il va s'arrêter. On va voir un petit peu l'entrée, voilà, cette partie très rapide, compliquée à négocier. Et sur le Nürburgring pour entamer un sixième tour. Cinquième tour. Nous avons fait cinq tours. C'est 32, ouais, c'est ça, ouais. Exactement, mais on fait pas beaucoup de tours, hein. Déjà qu'on a fini un tour avec le temps. Allez, Anthony qui va essayer de se débarrasser maintenant. Ludo et nous. Et Ludo et nous qui lâche la pédale de gaz justement pour laisser passer le leader, pour laisser passer Anthony Konistinger qui va reprendre après tous les ravitaillements de tous les pilotes le lead. Sébastien Gollet. Sébastien Gollet, j'espère que je décroche pas son nom de famille. Pilote de la Swiss RC. Excellent résultat pour Sébastien. Deuxième position. Il est pas loin du top 10 avec Nicolas Kislian qui vient de prendre la direction de l'enfer vert. Ce Greenwell.
là qui route peut-être sur Penachi, sur Malik. Qui est en Honda NSX. Alors ça a l'air d'être assez performante hein, comme voiture cette Honda là. Sur un Nordschleife, ça a l'air de bien y aller. Sébastien. Sébastien Jolet, bien sûr, CRC en deuxième. Qui se fait rattraper, je crois. Anthony Yoda, de la sous-CRC. Une seconde d'écart entre les deux. Dans les parties sinueuses, peut-être en haut de la côte, dans le pif paf. Attention à ce pif paf là, ce gauche, droite, gauche et encore droite. Et ça passerait pas à cet endroit là. Sur cette Open GT Series proposée par la Exhype. N'oubliez pas le centre de simulation qui est en Belgique à Waterloo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ça a l'air d'être très très sympa d'aller faire une petite séance de simulation à Waterloo. Plusieurs compétitions sont également organisées là-bas. Pour Sébastien Jolet. Sébastien Jolet qui remonte sur Romuald Bonnivet. Il y a un peu de peine Romuald à les contenir. Meilleure accélération de la part de la McLaren. Qui a un petit peu de dégâts à l'avant hein. Peut-être quelques problèmes d'aéro, un peu moins d'appui sur la BMW. Il gère bien son Panzer, le Peugeot Costigor, nous dit Zulove sur Twitch. Et son Panzer ouais, carrément. Gère très très bien. Et Romuald qui est vraiment compliqué hein, pour lui là. Cette fin de course, il se fait rattraper et il se fait doubler. On va aller voir Anthony Costinger justement. Seul au monde hein. 15 secondes d'avance hein, sur Enu. Enu. Voici à l'écran avec son Audi, le numéro 47. Avec Bertolome poursuivi quand même par une Ferrari. Petite minute restante dans cette course. C'est le temps pour les pilotes de faire un dernier tour. Et ça remonte.
note petit à petit hein, pour David Berthelhomme sur nous et nous. Pietro qui a très peu d'écart hein, en 14e position avec Akuna qui lui affiche non c'est avec David Busquin pardon, Hugo et David qui se livrent une bataille derrière. On va suivre en tout cas le dépassement de David Berthelhomme sur Ludo et nous. Ça passe proprement. On va voir David Busquin. Et Hugo Giampietro. Bataille avec David. Ouh, ça a failli glisser pour Hugo dans le carrousel. Il a failli perdre de sa Porsche. Aïe Hugo qui prend l'aspiration de la McLaren de Akuna. Attention, touchette avec la McLaren et c'est parti à la faute pour la McLaren. Aïe 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 non. Et ça s'est bien passé en tout cas pour Hugo et Giampietro. Jérôme Akuna, attention, qui est en plein milieu de piste et qui a failli créer un autre accident. Alors on va aller revoir justement l'action. Avec la Ferrari légèrement et ouais, et là il n'y a pas eu la place pour les trois voitures. Ah là là, quel dommage. Justement une autre voiture qui arrive, ça a failli cartonner sévère entre ces deux voitures là. Et on va revenir au direct. Oh, qu'est-ce qui s'est passé encore là? Et là, oh, c'est pas beau ça. Ça, c'est pas beau ça, messieurs. Est-ce qu'on peut revoir justement qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Et pourquoi? Voilà. Donc on a vu ça, on verra ça plus tard. Certainement des pénalités à donner pour ça d'ailleurs. On l'a bien vu, c'est parti en live. Alors on va retourner maintenant. On va retourner sur les pilotes qui sont toujours en piste et toujours en bataille avec David Berthelhomme. Un drapeau bleu d'ailleurs qui rattrape un petit peu le trafic. On va voir Maljean en première position avec Anthony Kostinger qui vont se batailler jusqu'au bout. Aïe, la fin, oui. Ben, on verra. On verra avec les hypes. On peut être pénalisé ce genre de comportement qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui n'a pas lieu d'être. Aïe, Maljean et Anthony Kostinger qui se livrent une bataille acharnée pour la gagne.
50 secondes restantes. Attention, drapeau jaune dans le secteur. Qui essaye de faire l'extérieur sur la BMW de Valjean. De l'URT qui défend bien. Oh là là, côte à côte. Et magnifique image. J'espère que ça va bien se terminer. Petite touchette et non, justement, accrochage. Aïe 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 aïe, pas facile, pas facile. Et on va revoir l'action. Et ouais, dans le virage, il y en a un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur qui a essayé de serrer un petit peu le virage. Et le leader est dans son dernier tour. Que Stinger qui s'envole vers la gagne. Essayons de voir un petit peu quand même l'action 30 secondes avant. Non, c'était... out. Pourquoi il nous dit route là? Attendez, pas sur le classement du jeu, mais sur le classement du podcast, nous dit out. Très bizarre. Et un truc de Stinger qui s'envole vers la gagne, qui était premier au début de cette course, qui a mené toute cette course en première position. Après son ravitaillement, il est descendu en 7ème, 8ème position. Il est remonté. Oui, Cyril, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Je suis bien d'accord avec toi, David Berthelhomme, qui lui va arriver sur, sur le podium. Nicolas Casilien qui arrive en quatrième position. On va surtout pas rater l'arrivée d'Anthony Kostinger, le pilote de la Suisse RC, qui aura fait un 8 minutes 16 537 en course. Il détient le meilleur tour en course. Malik Benacci qui est en bataille avec Yannis Dupro, avec Nicolas Kisilien, pardon. Ah non, attends, je te raconte des bêtises. Malik Benacci en bataille avec Ludo. Non, Ludo il est derrière. Non, c'est des retardataires qui vient devant. C'est ça, voilà. Et on va aller voir l'arrivée d'Anthony Kostinger. Qui est reparti pour un tour. Ça va être le dernier tour. Il faut qu'il refasse
fasse un tour et qu'il passe le drapeau à Damier. Donc c'est son dernier tour normalement. Pourtant le jeu c'est bizarre, vous avez dit le leader est en dernier tour. Quelques petits bugs au niveau du jeu. Très étonnant d'ailleurs cette annonce alors que le temps n'était pas fini. Et Maljean en seconde position, David Bartolome en troisième, Nicolas Kisbian en quatrième. On va aller voir Yanela en cinquième. Et certainement un abandon de Yanis Ducrot d'ailleurs. Sébastien Jollet, le Ressou Cercé en 6ème position. Et très peu d'écart avec Malik Benachi. Et Malik hein, qui a été surprenant avec cette Honda NSX. Qui n'a pas fini d'ailleurs dans les coudres. La McLaren pilotée par Sébastien. Allez Malik, allez, faut aller chercher cette sixième position. Ouais, tu vois, là c'est très étonnant. Vous voyez ce que je vois. Le jeu m'indique que la session est terminée. Donc il m'affiche le. Certainement avoir des mises à jour d'ailleurs messieurs dans les jours à venir pour régler tous ces petits problèmes. Alors je vais être obligé de faire retour au garage, la faire conduire, ok. Encore Anthony Kostinger qui termine son tour. En espérant qu'il ait assez de carburant pour aller au bout. On va aller retourner voir Malik Benachi qui était en bataille avec Sébastien Jollet. Ah, il est au stand, Malik. Rommel van Leeuwen en 8ème position. On va accueillir Ferrari. La Ferrari qui a failli, qui s'est fait une grosse frayeur, mais qui voilà, qui va taper la rambarde. La voiture qui a décroché une première fois et qui a décroché une seconde fois, on n'a pas pu la contrôler. Anthony Kostinger qui va arriver dans le carrousel, déjà le pilote hein, sur dans les stands. Avec des problèmes d'affichage énormes hein, quand même. Il n'y a pas les drapeaux d'Amiens sur les pilotes qui sont au stand. Très très étonnant.
Et voilà, la course qui se termine comme ça. Donc un très joli bug qu'on vient de voir en plein live. J'espère que les pilotes ont eu la même chose que moi, parce que hein, s'ils ont pas eu la même chose, ça serait un gros bug. Il y aurait un problème dans le mode spectateur. Non, je pense que c'est le serveur, le jeu, je veux dire qu'il y a un problème. Eh bien, écoutez, on va s'en arrêter là. On termine sur ce genre de fin qui est un peu hasardeuse. Petit problème de configuration de la part de Kunos. Il va falloir qu'ils arrivent à régler ce genre de problème de bug. Parce que là, ça peut pas être possible comme ça. C'est vraiment pas propre. Eh bien, écoutez. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et je vais essayer d'aller chercher quelques pilotes pour une petite interview. À tout de suite. Allez, de retour en direct pour les interviews. Et j'ai quelques pilotes avec moi, dont Anthony Costinger. Salut Anthony et David. Salut messieurs. Salut. Hello. Et salut à Sacha aussi, Maljean, qui est là. Alors on va commencer avec la troisième position. Si je ne dis pas de bêtises, c'était David Berthelhomme, non? Je crois, ouais. C'est ça. Alors David, comment ça s'est passé pour toi? Raconte-nous cette première course sur la Nordschleife. Life. Très très bien, ça s'est très bien passé. Je peux pas espérer beaucoup mieux. J'étais qualifié P10, qui était à peu près la place que je valais par rapport au niveau qu'il y avait autour de moi. Donc quand tu pars P10 et puis que tu fais P3, j'ai pas profité uniquement des erreurs des autres, j'ai dépassé des personnes en piste. Je considère que P3 c'est le mieux que ce que je puisse faire. Donc après, écoute, C'est beau je ne peux résultat. que être satisfait. Et puis je me suis super bien amusé, c'était chouette. Voilà. Bon, c'était bien, ouais, c'est très beau résultat, troisième, sincèrement, sur plus d'une trentaine de pilotes, surtout sur un Nordschleife. Bravo, chapeau bas. Merci. On va passer à Sacha Maljean. Comment tu vas, Sacha? Et toi? Ça va compliqué un petit peu ce soir avec la première fois que je stream avec pour le PC. Donc c'est pas évident, j'ai très l'habitude de faire sur la PlayStation. Donc sur un PC c'est un petit peu différent. Si vous avez l'habitude déjà de streamer, regardez comment c'est fait. C'est Oh pas non, si facile que ça. c'est une usine à gaz pour moi tout ça. Ah ouais, c'est vraiment une usine à gaz. En plus, il faut gérer OBS, etc. Bref, je reviens sur le sujet de la compétition de ce soir. Sacha Valjean, alors comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ta course. Bah moi je partais sur une strat sans changer les pneus. Ouais. J'ai remis 3 litres et je suis reparti. Mais les pneus, ça, franchement, ça se passait bien. J'ai pas eu le temps de regarder le témoin d'usure des pneus, mais j'ai eu comme sur toutes les voitures des phases descendantes sur les pneus et puis ça allait mieux quoi. Et à un moment donné Costinger a décidé autrement du sort de la course. Et puis bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai Bravo. P2, voilà, c'est correct, c'est bien. Je suis content aussi. Très très bien, très très bien. Bravo Sacha, bravo. Merci. Alors monsieur Anthony Costinger, bonsoir et Oui, félicitations bonsoir. pour ta victoire de ce soir. Alors raconte-nous ta course. Eh ben écoute, la course s'est plutôt super bien passée. Malheureusement, bon, je suis parti sur une stratégie à changer de pneus.
J'avais déjà fait le test de faire un relais avec le plein sur 1 heure sur les LFM off-saison. J'ai vu qu'à la fin c'était vraiment compliqué sur les pneus, on perdait vraiment beaucoup en pace à partir du 4e tour. Donc en temps normal sur un circuit plus court, je les aurais pas changés. Ouais. Ça vaut pas la peine, mais par contre sur un circuit de 25 km, oui, ça vaut la peine. Surtout que alors, je l'ai fait, c'est essentiellement des courbes à moyenne et haute vitesse, donc ça sollicite beaucoup le train de pneus. D'accord. Maintenant, j'aurais préféré que ça se passe autrement avec la BM. Je viens d'aller voir au replay. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'étais à l'intérieur. J'ai essayé de prendre le mieux mon virage possible en sachant qu'il était à l'extérieur. Et puis il y a eu un contact, donc c'était pas quelque chose de délibéré. Après, je Non, non. pense qu'avec des vieux pneus, et vu comme je suis revenu dessus, je pense qu'il aurait été peut-être préférable de céder. Mais bon, après, Ouais, j'ai j'ai eu un vu peu malin l'action, on après a la course, quoi. re-regardé, j'ai remis le replay, tu reverras ton action vu de l'hélicoptère un petit peu. Et on voit bien les deux voitures côte à côte. Bah, le pilote à l'extérieur, il a pas trop le choix d'essayer de prendre un peu à l'intérieur pour réussir à prendre son virage. Et c'est là où ça se touche. Toi, tu étais à ta place pour moi. Bon, c'est 50-50, j'ai envie de vous dire. Alors, surtout que c'était un endroit très rapide et où il n'y avait pas beaucoup de place. Effectivement, après moi j'ai cassé ma vitesse de façon à pas vouloir aller chercher l'extérieur plus de la moitié de la piste, sachant que Ouais. potentiellement il pouvait être resté à l'extérieur. Puis malheureusement bah il y a eu un petit contact, puis il a pas pu récupérer sa BMW. Donc à lui de voir s'il veut m'en vouloir pour ça. Vous en discuterez certainement calmement et intelligemment. En tout cas, c'était une très belle course, Anthony, de ta part. Gros, gros rythme hein, sur la Nordschleife. Hein. Tu nous as fait des chronos. Meilleur tour en course d'ailleurs. Excellente aussi qualification. Bravo, continue. Bravo, bravo. Bah, messieurs, je vous remercie. Je vais aller clôturer le live. Je vous remercie d'être venu en interview et on se dit à très bientôt lundi prochain. Ça sera Hilario qui vous castera et qui fera également l'interview. Bonne soirée à vous. Très bien, merci, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Salut. Allez, ce stream va se terminer. Cet Open, cette Nordschleife proposée par les Zype pour cette Open GT Series se termine. Un petit peu dommage pour la configuration du serveur où il n'y avait pas assez de temps pour que les pilotes terminent en fait la course, et c'est pour ça que la session a sauté et qu'on n'a pas pu voir le drapeau à damier pour Anthony Kostinger. Je vous rappelle juste un petit détail, dimanche 21 avril à 21 h, également sur la Nordschleife, c'est la Perfect Event qui vous propose cet open de 60 minutes avec refueling obligatoire et un multiplicateur de temps x4. La météo sera belle et sera environ 16 degrés sur la piste, mais ça sera en sec. Donc si vous voulez revenir faire une course sur la Nordschleife, ça sera dimanche 21 avril. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous et merci de m'avoir écouté. Et lundi prochain, vous retrouverez bien sûr notre très cher Hilario. Ciao,
like the cool blue light. Like the cool blue light. Like the cool.